Pasteur Grégory Toussaint, Haïtien Framsum, Captain Dem, Cap Gadem, moi j'ai des informations pour nous. Pays attendez. Et c'est la que je dis oui, vous avez des secteurs dans la secte vie nationale, vous avez des secteurs dans le pays d'Haïti. Dépouvantagez que, ou arrivez ou sur yo vous avez une menace, et bien me vous groupe de moun bien spécifique, qui nan dans les médias traditionnels, que vous mettez pour japper donc c'est des mondes bien spécifiques effectivement qui dans les réseaux sociaux tout qui ont mettez pour attaquer eux et c'est qu'on y a mis position c'est des nègres qui dans les médias ont gagné sous sous décision que la République dominicaine prend pour que ils te ils annulent Marche que l'équipe eh pasteur Gogu tout c'est un te prévoit faire en République dominicaine qui t'a fait 68 pays sur la terre pays attendait, nation attendez. Tout le monde connaît que, grand titre moins, ça toujours de battre là-dedans, c'est dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais effectivement, pour me commencer la mission, je ne suis pas capable information. Mais après, je vais dire ce qui Parce que Martin Moïse, je ne vais pas nous mentir, je dans une école. Je ne vais jamais me saisir comme ça. Je n'ai jamais pensé Martin Moïse ton femme qui avait cette capacité. Et je que, si Jovenel Moïse la madame non pouvoir même je m'appelle était madame ni pouvoir pour te décider nous garantis nous il y a de bagages madame ça t'a fait dans pays ça c'est parce que Jovenel Moïse te dit madame non met de côté pas rentrer dans son politique pas rentrer dans politique jusqu'à tu connait que pour dames avec équipe pour, pour, pour travail dans faire sociale, mais pas aventurer dans politique elle t'attendé Maril il pas aventurer si Jovenel Moïse te faciliter madame ni Rentrer, nous, c'est des décisions politiques qu'il apprend Ou du moins, qui te m'a donné conseil Nous, ça fait politique, je vous garantis. Jovenel Moïse, comme président de la République, il était capable de mourir, oui. Parce que tout le monde a mouru. Mais je vous garantis, nous, 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 conditions pareilles, il pas de mourir. Maintenant, moïse ne s'est pas femme. Et je vais l'expliquer à l'heure comme ça. Mais tout d'abord, Pasteur que tout ces il fait qui va ben être chargé bien. Là, nous, t'es ouais, il a commencé à attaquer parce que Toussaint qui prend la décision pour que l'IFE marche à travers le monde. Ce n'est pas sans raison, entendez. Il y a un projet de loi qui chita dans le Congrès américain, hein, qui demande avec le Congrès pour que ils votiez la loi, ça, loi ça qui pourrait exiger département d'État américain publier toutes nos personnes qui ont sanctionné et qui ont prévu sanctionner, qui n'ont financé gang en Haïti, qui n'ont pas gagné l'argent, qui n'ont pas gagné l'argent, qui n'ont pas gagné qui n'ont pas blanchi l'argent dans le pays d'Haïti. Mes amis, je n'ai pas eu de gens qui ont eu des informations e ça. Mais c'est lui-même que est oligarque, qui gagne pile des lobbyistes dans Washington DC, qui c'est capitale politique mondiale, et qui gagne pile des gens qui ont des informations à travers le monde. Qui te gagné information ça Qui fait que... Ou tu as des de avec. Soit dans les médias en ligne. Ou bien dans les médias traditionnels qui te, te commencé à attaquer. Pasteur Gregou Toussaint. Ça qui dit que... Il a fini avec des Drogue. Mais ça, mais... Ça, on sérieux, monsieur. Alors, Gregou Toussaint, t'as dans Drogue. Il t'a fui à côté aux États-Unis. Pour la pouvoir côté à la terre de la Gros l'église. Toute nation a dans l'église. là, a fait tout gros bagaille. Il a les Il a foué. Il a foué. Il a foué. Il la exigé de voter la prend de monde al voter états-unis la fait pour pou bain avec moun al voter n'est pas nimporte qui bagaille grégory toussaint c'est un haïtien que nous gagnons, qui n' diaspora qui est extrêmement important pour le peuple haïtien mais premier bagaille que nous faisons fait pour attaquer pasteur grégory toussaint c'est comme ça que toujours fait et c'est là m'a dis, monsieur oui nous créons en pile nous ne pa nous pas jamais stratégie nous avons une seule stratégie depuis plus de 36 ans pour nous détruire tout le monde dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui est sérieux, qui, 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 qui est capable de camper pour des décisions sérieuses, pour le pays qui est capable de camper pour défendre le peuple nous avons un seul chapeau que nous mettons sous tête pour nous détruire. Nous disons pour le candidat à la présidence. Ça, c'est une grande bagarre pour diaboliser les gens. Parce que, est nous capable diaboliser parce que est comme je dis, les citoyens citoyen honnête pas de droit pour, pour, pour le porter Candidat à la magistrature suprême de l'État. Comme c'est à la présidence. Et pour 10 moun nan pral à la présidence là on va commencer on va commencer campagne pour dénigrer complètement assassiner caractère et puis ensuite pour faire le tout nos tirant on ti bagaille qui pas rien même et puis si t'as gagne malheur en Haïti on les a que reler net j'ai peur ou bien je qui ça ça j'ai de rendant le balle dans la tête ils sont derrière trouille et puis personne va parler de lui parce que on préparation que on fait yo déshabillo yo démasquer yo fin avant net ou connaît ne faut pas rien même devant petit tout même faut pas prendre sérieux l'homme garde moi conseiller qui dans médias Traditionnel commencer à attaquer Pasteur que et tout ça et bien moi-même comme jeune garçon haïtien qui toujours dit très clairement faut que suive sait conseil de moun dans pays ça cap parlé depuis longtemps depuis avant tes fêtes et vous qu'on parlé. capable de parler et le malgache moi a parlé depuis longtemps non non peuple haïtien mais qui toujours camper qui toujours campé en face de moun sérieux qui est capable de pour prendre des décisions réelles pour permettre que le pays saute dans cette sa nouvelle-là. Paysan, nation, moi-même, je y a Moi, je peux dire, en pile qui choisit, pasteur ou bien bishop, Grégory Toussaint un secteur qu'il a directement dans le pays d'Haïti. Et qui, normal, est-ce qu'il le fait innocemment Je ne suis pas sûr qu'il le fait innocemment. Je ne suis pas sûr qu'il le fait innocemment. Mais je dis nous que... Pasteur Gogotou, c'est pas de pote moun. Oui, le pape j'aime la politique directement. Mais pasteur Gogotou, c'est est clair sur ça, n'est pas candidat pas la politique. En tant que citoyen haïtien, le pape pays en difficulté, et eh bien effectivement, les même dans la communauté, par l'enfant le en tête, utile, et eh bien une prend décision avec toute équipe, et eh bien tout le peuple répond à l'appel. 67 pays sous la terre, il y qui le veut camper dans journée qui était neuf c'était 9 justement 9 juillet 2023 69 pays sous la terre, en même temps qu'a parlé une seule parole donc ça ça veut dire dans même nan même moment 69 pays prennent la oui alors 69 pays qui gagnent ici là d'ailleurs alors 67 67 pays qui a ici là ils ont levé campé ont ka parler une seule parole ils ont souffert pour Haïti libération pour Haïti la paix pour Haïti eh bien, secteur bien déterminé qui va déranger. Et le zone a la louvre, nous gagner un projet de loi qui chite à non dans le Parlement américain. Ça nous les congrès américains. Hein? Parce que pasteur Grégory Toussaint monsieur, influent justement États-Unis d'Amérique. Surtout dans l'État Floride. Monsieur bien avec des sénateurs américains. Monsieur bien avec des, des congressmen. Et, et, et m justement, sénateurs. Monsieur bien avec le conseil d'autorité qui est dans le département d'État, justement, mes frères moi, bien avec un avec... sénateur, ça veut dire congressman, et puis bien avec l'autorité qui est dans le gouvernement américain, dans le département d'État. Et bien justement, monsieur utilise l'influence à quelqu'un pour aider nous-mêmes comme haïtiens là-dedans, Vous ça ça, on vous à applaudi. Il qu'on faut pas un gras comme peuple. faut pas être sur ça, oui. Il pas un gras comme peuple. Oui. Et bien justement, je ne peux pas parler avec nous, parce que moi-même, nous connaissons que...

il y a un haïtien qui nous gagne qui a pu voler diaspora qui est dans le secteur protestant, mais qui n'est pas dans le secteur protestant, qui a tout le président même avec Pasteur Forge et Pasteur Gérald Bataille, non Qui a kidnappé kidnapping Haïti, non Qui a dans Baïbandi Zam, non Pasteur Gregou, ce n'est pas dans le secteur Il va dans tout le jeu de Moïse. Mais Pasteur Forge et Pasteur Gérald Bataille, c'est deux membres 4 Samaroso, deux membres SDP, des criminels qui ont tout le président PNU, qui sont les présidents de Moïse, qui salent le secteur protestant. Il faut que nous clés sur ça. Son secteur qui n'a pas quitter de quitter deux messieurs, ça de parler dans le Depuis deux messieurs, ça a eu le non secteur protestant. Moi-même, je demandé quelque chose à côté de quoi ce groupe de criminels a ce soit nous de ce bagarre avec eux pour libérer le pays. C'est comme ça. Parce que messieurs c'est utilisez Utiliser, haïtiens malheureusement qui dans l'église, tant qu'on cobaye, tant qu'on est trop à pied, tant qu'on zombie, pour faire toute qualité. L'argent que vous voulez sous voulez. Vous avez besoin de tout, président. L'utilise fidèle l'église, il met la rue, là, fait manifestation pour assassiner le caractère président, pour dire président pas 10, président pas date 1. Ça qui va dans la politique. Et puis, justement, pour vous dire que le 6, pour le 7 juillet 2021. pays je ne pas parler qui chose ensemble avec nous. Et pour y avoir Mme Mathieu Moïse, il parle de cause, fait causer. Et il y de problème. Martine Moïse fait peur dans secteur qui était effectivement et étouillé Marilyn et qui a fait tentative d'assassinat et de d'exécution sur lien hein? et Martin Maurice nous jette bien sur sous secteur clé qui bail l'argent pour tuer Marilyn et qui te manqué là la. l'autre bagarre qui est extrêmement important pour nous pour nous souligne alors va permettre m'a, permet, ma attention sur lui est-ce que nous pas chaque nek sorti dans casier juge Walter Walter Lambert ou pas la devant le monsieur dame qui dans média en ligne braquer téléphone sur lui et puis, il a posé question. Ou pas tout les seul bagay? Martin Moïse, faut qu'on vienne répondre à la question juge là. Martin Moïse, a fait, a, 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 a comme si, pas instruction en fait, pas v'le lumière en fait dans le cadre de l'assassinat Jovene Moïse. Martin Moïse a fait politique avec l'assassinat Maril. Ou pas tout net qui sorti -si, en deux de juge là, gon seul discours. C'est attaquer Martin Moïse. Ou on ça, ça veut dit? Et mais même Jean-Pascal te dit hier. Pascal dit bientôt, fais calcul là pour ouais. Juge là, gon seul bagay qui parle avec tout net attaquer Matin Moïse, parce que Matin Moïse, tu m'as monsieur Matin Moïse, joue un coup intelligent, ça le m'a dit oui, madame ça, moi-même ouais, dis monsieur ça, ça monsieur, vous peut y aller après, pourquoi vous pensez, vous pensez que, alors, vous pensez que, au cas de Matin Moïse, sous scène politique, -là? parce que Matin Moïse, son figure, qui va être danger, pour classe politique haïtienne, il va être danger avec monsieur ça ils sont menaces pour la classe politique nationale haïtienne. Avec l'existence de Moïse, la classe politique a complètement disparu. Parce que le peuple haïtien en général a gagné une frappe a le secteur politique en Haïti. Avec quatre électoraux, vote yo. Et c'est ça, monsieur, peuple, vous fait calcul, vous an, fait analyse, vous an, dites Faut que nous détruisons Mathieu Moïse, là, pour faire continuer à assassiner le caractère, et pour ne faire la parole comme nous, et puis l'élection arrive, pour ne pas être capable de candidat même. Yo ont besoin de responsabiliser Martin Moïse comme quoi que l'issé qui est responsable de l'assassinat de Marie. Écoutez bien.

et puis, même Martin Moïsa lui-même personnellement, pour le secteur politique gang criminel assassin, qui crase pays, a, qui rend président pas capable de fonctionner du tout, pour le rendre au service, pour le l'assassinat Marie Maril avec eux, je me dis, monsieur, FBI, dans la conférence, parce il a arrêté quatre suspects clés, responsables que c'était eu. l'assassinat du président Joven Moïse, il était dit, ancienne première dame, non qui c'est madame Mathieu Moïse, pas impliqué, ni de loin ni de près dans l'assassinat. Maril, qui c'est président, Jovne Moïse. Ma appeler monsieur Oli. Je ne fais jamais de bêtises avec le peuple là encore, parce que nous sommes médias en ligne, nous sommes nou capables d'éclairer un peuple là. Pays attendez, parce que nous partons pour une très belle émission. Déjà, premier est parti. Le premier, premier, premier point que nous allons aborder, ensemble avec vous, dans cadre mission ça, c'est le dossier et le match que pasteur Grégory Toussaint, avec un on, 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 atrier, pasteur, vous comprenez et, 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 et des centaines de pasteurs. Vous comprenez Il y a des gens qui parlent... Pasteur Gogo, parle de plus de 900 pasteurs, okay? plusieurs centaines plus de, plus de centaines pasteurs et qui étaient à travers le monde, qui étaient prêts une décision, ça, et effectivement, qui étaient prêts à l'appel, ont demandé tout fidèles pour qu'ils soient la rue. Eh bien, nous parlons de lui, et effectivement, Pasteur Gogo, tout tout ça jour comme ça, que coûtait plus de, plus de millions de dollars américains. Effectivement, il est capable parce que des quantités de maillots qui distribuent à travers le monde et l'Opgade Côte-Saint-Denis de qui distribue un pays dominicain tout qui baguettant et et mon vieux baguettant est incapable de dire pas fait à la parce que le gouvernement dominicain prend décision politique et pour que yo campé machin là mais qui je pile critique de côté média dominicain et c'est ce que oui et où ou est a parlé de la Dominicaine, on ou dit dominicain raciste ou dominicain raciste m'a pas de fait très attention si, tout dominicain raciste, Jean qui en pile à il faire comprendre à parler pas d'abguitrois il s'est capturé à la tout à ici as raï la Dominicani. Tu as bordé pi. Tu a violé. Tu as battu. Tu as maltraité. Tu as fait toute qualité malhonnête. Effectivement, nous connaissons clairement. un secteur en Dominicani qui est raciste. On ne peut plus. Contre les Haïtiens. Il n'y a pas de noirs. et Bien évidemment, on frange dans ce secteur ça Au pouvoir actuellement la Dominicanie. Ça, pour comprendre, on va comprendre. Et, peut-être nous allons parler de qui choisit ensemble avec vous. Dans la d'émission, Mais tout d'abord, avant que nous rentrions dans la cause, nous connaissons avec un peu de respect toute estime que nous pour nous. Et je profite pour me dire bonjour. Bonsoir tout de moun, de kikoute, ki le monde. De vous demander qui vous avez apprécié nous et vous avez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi, Et pour commencer avec nous sur la plateforme Pano, qui est si plateforme YouTube Info. Bientôt, Parce que c'est très important pour nous même qui avons pour nous. Nous allons partager, okay? commenter, like abonner si nous sommes Si nous remets. Initiative que Pasteur Gogoui toussait des bras, n'a pas de bravo pour Pasteur Gogoui toussait. N'a pas dit bravo, di bravo Pasteur Gogoui, n'a pas dit oui nous pour lui, ok? les ce qui est en faveur de Machelin? Si nous ne sommes pas pour Machelin, il n'est pas contre Machelin. Il est très important, nous faut un exercice démocratique dans l'espace commentaire qui est extrêmement important parce que ça nous c'est des points qui ont été chaque gagne ça nous. ce que je demande de nous, prend le partage avec tous les amis qui pourront gagner. Et, et, et alors qu'il n'y a pas de d'émission, ça. Et ça, on va un contact de vous Prenez le clan. Partagez l'ensemble avec vous. Parce que vous allez gagner un peu d'informations. Parce que je dit dis nous que les décisions que le pasteur Grégory Toussaint prend sont des décisions, effectivement, qu'il y des pays. Et nous devons chercher qu'on ait effectivement qui s'est poussé à prendre des décisions. Et il y a un peu de choses qui sont cachées. Peut-être que le pasteur n'est pas capable de révéler. Mais je dit dis tout. Pour le monde qui... Journaliste, comment c'est dit, Pasteur Gouyto, tout s'est candidat à la présidence. Le premier bagage pour assassiner le caractère. C'est comme si nous avons un citoyen pas de droit pour le candidat à la présidence. Il y a des gens qui évoqué même, oh oui, ce n'est pas américain qui a fait candidat. Mais qui côté de Jaspois Haïsen? Et c'est là, oui, il n'y a pas de jambe au de Moïse. Parce que le Moïse a glissé un article dans le projet de la constitution à travers le référendum qui t'a pas le fait. Côté que Jasper Haïsen capable de voter ou bien candidat. Pour poste avec passeport ou avec double nationalité. Et c'est une bagaille qui a aidé le pays d'Haïti. Et c'est une bagaille qui est secteur politique là. Et secteur que nous capables, les oligarches corrompiens, pas de jambe te vele même pour un second. dit tout haïtien qui a un passeport américain ou qui m'a des passeports n'about. Parce que. C'est douane. Et fini. Tout Haïtien qui a une nationalité haïtienne, tout haïtien qui gagne un passeport américain, canadien, français, dominic, ou à dever, nous qui a passeport nous là. Pas change rien. Pas rien parce que moi, il y a une projection faite dans la pays d'Haïti pour que Jaspo ne pas. Parce que c'est nous qui C'est nous qui peuple souverain. C'est nous qui C'est nous qui avons pris la décision. Et je suis clair sur ça. Parce que de secteur criminel, il n'y a pas Ariel qui a gagné Michel, qui a conseiller. C'est grave, oui, ça qui a passé dans le pays là. Ariel a gagné Michel comme conseiller spécial. Ariel Michel conseillé Ariel Henry pour Ariel Henry, mandé CARICOM, parce qu'il n'y a pas de lier CARICOM, qui a pris là. décision. CARICOM prend une décision pour que tout pays qui fait partie des membres CARICOM.. Toute nation, toute personnalité, toute tout, 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 tout nationalité, tout monde qui est dans le pays, membre CARICOM, il yo, y a une libre circulation dans tout le pays qui fait partie de CARICOM. Et bien Haïti a pris le privilège. André Michel, conseiller spécial Ariel Henry, le conseiller Ariel Henry, pour que Ariel Henry ne quitte CARICOM, rentre Haïti dans Bagaïsa, qui s'allie Parce que Oudou être là pour qu'il n'ait pas eu si de problème. On passe pour des fois Comme si... Voyager, ou imaginez, on a de déboquer passeport haïtien, ou de pour qu'on un le coup de tête de Jamaïque, ou de faire le coup de tête de la Babade, tout pays qui fait partie de la carrière comme vous. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de quitter le pays où on est. Les gens doivent voyager, ou avez un privilège. C'est une opportunité qu'on a gagnée pour voyager. N'importe l'ouvle, il faut des vacances. Mais André Michel, avec Ariel Henry, prend une décision pour bloquer ça. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que l'homme est criminel, assassin, toutes Toute décision qu'il prend, c'est décision qui en faveur. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un rien dans le monde. Ils n'ont pas besoin d'un yé pour eux. Ils n'ont pas besoin d'un yé pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont géré tête. Ils ont une transition. Parce qu'ils n'ont pas oublié. pas toujours dit que la transition pas une grande rien pour le pays. transition, c'est un groupe de monde qui le riche. riches. nous, nous avons fait dans le pays d'Haïti. Dans la transition qui a là pendant deux ans. Ce n'est pas riche, nous avons un groupe de personnes group riche. Nous ne sommes pas encore jeunes pauvres. On a été Michel. Qui compte le travail Qui ça l'a fait comme activité pour la payer, plus passer 15 moun l'argent Pour la mettre gaz dans la machine, plus de 3 machines, et puis pour la avec 15 moun amis, pour la acheter des cartouches, pour la tout le matériel, et la donner dans tout le hôtel dans la bras de presse. Quand de Michel, on a dit un cop. Et c'est là, oui. Je dis un ben petit salope sale qui a marché dans le Michel. Il a 4 cités avenues, un bon sale, vicieux, un bon salope salop sale. Nous sommes comme si je ne parle pas avec nous. Et comme si tout le monde qui peut parler avec nous, parce que nous avons une vision pour le candidat, ben, 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 même ton écrasement, je ne sais pas si tu as un c'est pour mettre mettre dans ces quatre-là. salope sale, bon sang. On a des gens qui sont vicieux. nous c'est l'avenir. Bon, j'ai dit à Michel. Mais bon, c'est l'avenir de Michel. Mais même l'avenir disparaît tout même. L'avenir disparaît complètement parce qu'on n'a pas d'espoir dans le pays. Même l'école n'est pas à aller. Qui est côté espoir comme jeune garçon. Même petit, tu n'as pas à Qu'est-ce que l'espoir est demain? Avez-vous dit, avenue ou non pitié dans De Michel là. Avenue ou non De Michel. Ou investi avenue ou non De Michel. And de Michel hypothéque Avenue. Bloque Avenue complètement. Et puis nous compions nous prendre des décisions, nous quittons De Michel. Continuez. Après, c'est dans la figure mou de la vie d'Haïti. Moi, je vais nous. Je vais garder nous toujours les Je garder De Michel. Je vais manger gros gras. Qui est plus passé 15 mouns. lourdement à Mediadol. dol. tout kidnappé, les kidnappées. Je vais De Michel, kidnapper ne pouvez pas être le boudon. Vous riche pendant l'arrière là. Non, kidnapping est dans l'État. Tout le monde peut parler de ça. Comme si Frédéric Leconte, qu'on ne le connaît pas. On va vicieux C'est la vérité qui est pour l'établir dans, dans la République. On connaît ça, tôt ou tard. En avance, Pasteur Grégory Toussaint, Bishop Grégory. Avant que je démarrer l'émission, tout d'abord, je salué, Pasteur Grégory Toussaint. Je salue pour courage pasteur. Moi-même, qu'on toujours tombé sur Pasteur Grégory Toussaint sur Internet. Euh, Depuis un de, 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 moment que ou lancer process processus, que ce n'est pas 40 jours jeunes, 40 jours jeunes, prier pour Haïti, tout ça, sauf que Mabdi, ce n'est pas prier pour Haïti, non Mabdi nous, pour nous modifier ça pour moi. Ou Je Thayou, ajouté n'as la dedans On nous prier pour bon Dieu nous force avec courage pour une bataille pour libérer le pays, non Mais ce n'est pas ben Dieu Dieu nous, fait. des de gens en tête, de bon Dieu pour libérer Haïti, non Ouais, bon Dieu, Mon Dieu... pas t'inventer te politique. Même un professeur Salim Soukate dit La politique c'est une chose humaine qui est ça veut dire que le problème politique crise politique c'est décision haïtien c'est décision les hommes qui mettait crise là et sont décision les hommes tout qui pour retirer crise là on va de bon force avec courage pour que le permet tout bataille pour craser situation pour craser et un système là OK c'est vivre comme difficulté ou capable si c'est politique qui met là on doit dire c'est les hommes qui mettent là mais effectivement ou même que monde on va demander grand grande jova pour les deux, pour le bon force avec courage, pour le renforcer avec conviction, pour le bon la santé, pour le fort pour les âmes, pour battre contre le système. C'est ça, oui. C'est ça. Mais pas juste camper là, faire mon faire mon medieu, nous près de 40 jours, ou comme ça, me dire la prière, bon Dieu, dit mon Dieu, je viens voir dit Non, jamais, non. Jamais, non. Depuis même, faites-moi jeune, tout le monde a prié, dit mon Dieu, je viens de vérité, Il va vérité, non Il va vérité, bon Il va vérité. Il va nous force avec la, avec la santé. Il ben, nous courage, Et je dis nous ça honnêtement. Si moi-même, si je deviens quoi là c'est des deux nous de mis à tête. De fait mes deux noms en tête. Et puis nous, Caméra, nous avons gardé. Et puis nous avons prié. Bon Dieu, libère Haïti. Bon Dieu, libère Haïti. Bon Dieu, Le travail à nous fête fait là, dans le pays d'Haïti, comme si, Jean ne nous calé nous comprenons l'Halité. Nous ne comprenons jamais. C'est parce que, moi, je de force avec courage. Chaque club qui vient vu ça des caméra, moi, je de force avec courage. Augmentez la capacité, nous, papa. Chaque club qui a préparé une émission, bon Dieu, renforcez-nous. Mettez la lumière sur la route. nous, elle quel monde d'information, eh justement nous tombons sur mon grand monde. Eh bien nous possibilités pour nous. Alors, l'un besoin, une fois porte, la porte là ouvre automatiquement. Il y nous, une intelligence enragée. Et c'est ça, nous prions, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, bénis émission, ça. Fait chaque grand ici, de cap garder la effectivement, ça a dit. Fait nous mettre focus là. prions mon Dieu, pour mon Dieu, fait nous mettre là. Nous, 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 même si nous fait des choses, oui, fait expérience là Dieu dans notre dans on Et pas que ce soit prier, mettre que genou à terre sans bon dieu Mettre Dieu dans la là, prier pour ça et puis pose action. Pose action et bon Dieu bénit, Dieu fait la route pour C'est ça la vérité. Ok C'est ça lié Et pas que ce soit que si tu devant nous, à l'église chaque jour, chaque jour, chaque jour, pour l'église, ou à prier bon Dieu, on prier bon Dieu, on venir, on pauvre, on pas manger, on sauf que vous doit sauver. Et pas comme ça. Et pas comme ça que y a

et poser action. Il est important. Vous nous comprendre ça. Et Pasteur Grégory Toussaint. L'une des actions concrètes qu'il pose. Capable de nous-mêmes comme haïtiens. Et voir Pasteur arriver loin. moi même saluer, je vais Alors, couper, je vais me couper, pour me couper, Courage, Pasteur Grégory Toussaint, avec toute me couper, tout vais me couper, que vais qui couper, je même qui couper, qu'on vous bon, On comprend, mais depuis que nous avons fait ça qui est bon, il faut nou, nou nou que nous, regardez nou, que nous montrions qu'il fait ça qui est bon, prend des décisions qui sont en faveur de nous. Nous devons saluer les décisions, nous devons montrer nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. Sinon, il a pris beaucoup de familles. il a beaucoup de famille, il ne parlait pas de foyers, mais nous prenons des décisions. On avons regarder à travers des décisions qu'il prend, et di nous dit nous tout ça qui est bon pour Haïti, un secteur bien déterminé qu'après l'attaque Mais ça qui caché derrière de décision que le pasteur Toussaint prend, qui s'accueille. Moi-même, je ne pas le faire entendre. Effectivement, <coughs> déclaration du pasteur Toussaint. Et nous, prenons ne comprendre e la réalité. Et c'est là, oui, le pays de comprendre un peu Mais la Mais seule critique que je fais, Wendell, Théodore, je dit Wendell, et pour tirer un monde, les gens qui va pas de chance à l'école, l'émission ça supposé fait en créole Wendel. So, de en d'elle. Soyez mis que t'es en créole langue avec papa non. Et pasteur c'est tout, critique tout, pas pour ou, ou pas supposé suppose accepter faire interview en français. Jamais. Inacceptable. Nous pas la France, monsieur. Nous pas la France ou font match pour peu pas ici. Déclaration que fait dans match là sans créole ou parle en anglais ou traduit en créole pour vous. Mais écoutez bien, l'offre de une interview dans les médias dans la capitale et mais justement, ou vous doit faire un parce parce vous connaît que tout le monde a tant de sa quête vendée après machin. C'est plus que qui fait. C'est plus que qui fait. Je ne fais parler avec le pasteur Gregory. Même si on aime le pasteur, je ne fais pas ça pour le soupler. Je connais le pasteur Capabizi. Mais sauf que, dès qu'il son combattant, son jeune garçon haïtien, et qui parler là, et Gregori, aime faire ça avec ma belle, le pasteur Gregory, tout ce bishop-là, moi ne sais pile. Vous comprenez? Et pasteur Gregory, je ne fais pas ça avec ma Et si on jeune un message là, si un haïtien qui de là, il y un message là, fais vivre jeune pasteur. Grégory Toussaint pour nous t'en s'il plaît. C'est très important pour nous. dis le comme ça que eh ben justement plateforme YouTube Info Bientôt, effectivement et eh, t'as aimé faire un petit parl la Est-ce que l'ICA permet nous comme eh, si nous avons joué, joindre 15 minutes, 15 minutes pour payer pour payer hein, parce que ça travaille que le faire, Les rivé sur nous. Nous comprenons ni la pdm et m'ta faire un petit un petit C'est très important pour moi. Tout le monde qui a tendance de la là, qui marche dans l'église, pasteur là, qui généreux pasteur, qui compte parler avec Pasteur là et bien justement, m'a ça pour nous temps pour souple, là fait nos plaisir. Moi, je salue encore une fois, pasteur Grégory Toussaint, avec toute l'église chèquina. Bon moi mes amis, c'est pas tête chargée. Pourquoi je me saisir comme ça? Bon, moi pasteur Grégory, il faut y aller encore. Parce que l'équipe dit que c'est plus de 500 000 mounes, jamais ça va exister, pasteur. Quand il y a des gens qui prennent la ou regardez, non, c'est plusieurs, c'est plus de 500 000 monde dans des pasteurs. À travers le monde, 500 000 mounes, on a dit du mon cher n'importe quoi ça seulement il y a des centaines oui n'importe quoi ça seulement n'importe dans l'ouest pays d'Haïti, c'est des centaines alors c'est des centaines de milliers c'est des centaines de milliers haïtiens qui prennent la rue oui. n'importe quoi ça m'a regardé n'importe où, c'est plus passé 200 à 300 000 haïtiens qui prennent la rue oui, n'importe quoi n'importe quoi ça seulement pour gens qui connaissent, et comme si nous avions un mouvement, de mobilisation, full, foule masse, qui est capable d'essayer, de faire une décrétation, ou du moins de un calcul par rapport à la foule qui est au Gadea, il y a plus haïtiens qui ont une expertise dans ça, qui est plus ou moins capable de bonne idée, et normalement, la donne. Mais effectivement, je parle avec des gens, ont dit, mon cher, fais ce non C'est plus passé, 2 à 300 000 Haïtiens qui étaient pris la rue dans l'ouest pays d'Haïti. Ça veut dire à travers le monde, tu as plus passé 3 millions d'Aïs qui te prennent la rue. Oui. À travers le monde. À travers le monde. clair. Vous avez l'image. Vous avez l'image. À travers le monde. Quand c'est Aïsé qui prend la rue, oui. ce n'est pas qui grave. Moi-même, je de bravo pour pasteur Grégory Toussaint. Mais ça qui dérangeait Dans le ce que Pasteur Grégory Toussaint fait. Ce n'est pas un jour là, non? Attendez bien, ce n'est pas un jour là. C'est ça, je dis, est-ce que ce n'est pas un ami américain que pasteur a gagné qui va' l'idée? Comme pasteur a dit, c'est mon Dieu qui inspire lui, ok pas de problème. Et, mais quelque part, est-ce que par n'y de politiciens américains, comme pasteur a dit qu'il y a gagné des amis, et il y a gagné des gens qu'il connaissent, qu'il ne parler pas ce congrès américain, est-ce que ce n'est pas eux qui va l'idée ça? Et même ce que Gagou est trop sympa, je ne pas de connaître. niveau puissance, ça qu'elle gagne, et dans la communauté haïtienne. Et m'a dit, alors, continuez, utiliser la bonne Évitez, évitez de prendre appel à les oligarques corrompus qui tuent Jovenel Moïse. Faites très attention. Maman, de vous pouvez rentrer dans la bataille, bataille contre les oligarques qui tuent Jovenel Moïse. Maman, de vous pouvez la donne. Sauf que, comme haïtien, vous demander justice pour le président. Ou <laughs> de ah, m'aider, juste tout. Elle est claire. Même j'en a au Canada hier, tout le côté, où le monde, ou à dire à ici, de justice pour Jovenel Moïse. Mette quoi dans le courrier là-bas? C'est le barrière à respecter. En avance. Ça qui cache les la gala, qui cause M. Apataki, Pasteur Gregory Toussaint, qui sa que lui pas ici, c'est parce que Pasteur, Oliga Kompio, avec politicien ou gagnez, il y a une information. Qui est une information que lui est? Pasteur Gregory Toussaint, D'ailleurs, il y projet loi qui chita kol déjà dans Congrès américain, qui ka, alors capte bénédiction, bénédiction majorité sénatoriale, yo, pour que yo ait voté la loi qui pral exiger département d'État américain, ok, publier non tout le monde, que il comme moun ka qui bandi pour tout haïtien. Pour sanctionner... Tout le monde qui a bandi l'argent Pour exécuter les gens dans le pays... Pour citer... Pour citer non... Maintenant au public... Tout le monde qui ki est kidnapping... Qui a besoin d'argent pour faire kidnapping... Dans le pays qui a généré beaucoup l'argent Et puis... Maman qui a besoin pasteur Parce qu'elle a demandé... On va commence qu'elle faire déjà tout tout... Révoquer vis-à-vis de tout le monde... Et puis saisir tout bien... J'ai les comptes bancaires que vous avez dans tout pays qui yon yon a sanctionné. Mais ça la, qui, a, a qui fait est là, nou, qui est tout problème que nous avons, ou toute attaque qui a été faite sous pasteur Grégory Toussaint. Et c'est là, je dis la décision que nous avons, la République dominicaine prend, gouvernement dominicain prend. C'est un pays là. Je dis nous, il faut que nous fassions très attention. Les nous avons un gros vent passé pour nous couler bien bas. Et puis tant et puis vous-même pour analyser, gros vent ça, qui fait le passage avec autant de facilité comme ça. Décision que nous, le gouvernement dominicain prend, C'est n'est pas sans raison. Eh, bah je vais m'expliquer, Pasteur Grégory Toussaint, avec toute équipe, li, fait toute démarche légale yo, en Dominicanie pour que Machelin soit réalise Effectivement, premier démarche là. Je te demande pour te faire auprès de la mairie. Mairie, alors magistrat, ville capitale Santo Saint-Domingue. Magistrat, une commune, une commune même dans centre ville-là. Je me demande, parce que je suis tout pour aller avec mairie, pour parler avec mairie, d'abord pour écrire et pour parler avec eux, je dois dire qu'il y a un match que veut envie faire, un match pacifique, mais tel bagaille, 1, 2, 3, 4, prépare pour qui qui comme revendication dans match-là. Comme stratégie là Qui n'est pas que vous voulez utiliser. Et puis, on ne pas bon pour vous. Et puis, l'autre bagaille, tout le 4, 4 dans match-là, qui pas là Il ne faut pas troubler la paix publique. La paix publique. Et bien, des matchs, ça fait. Bon côté la mairie. Non, juridiction côté de pour voir la fait là. Santo Domingo. Effectivement, magistrat, oui. Et il a écrit ministère, ministère de l'Intérieur de la Dominicanie. Ministère la Dominicanie, ministère de l'Intérieur écrit. Alors, mandé, c'est la mairie pour agir, et puis agir la police par la suite. C'est le oui? ministère de l'Intérieur qui oriente, qui dit, et qui pasteur Gregorien mais avec qui moun pou y a Mais qui instance qui régle le dossier sa yo? De ce so bagage marche dans la oui. C'est commune, c'est la mairie. Et puis c'est la police. Circulation. Tade bien. Demas la fête légal. Avec autant de facilité. Média dominicains qui t'a parlé de mache là. C'est un bagaille. m'a dit je pas nous Qui vient comprendre les Dominicains façon. Je ne peux pas accepter pièces haïtiens. A pas attaquer tout Dominique comme si Dominique est raciste, raciste, raciste. dis non. Si Dominique était raciste, Jean que nous dit là, dans toute l'intégralité, il pas trois 3 haïtiens qui ont pris Dominicani. Tout haïtien a la Dominicaine Oui. Ou capable de dire que 50, ou, 50 ou 40%, ou 60% de Dominicains qui parlent de oui, il existe. Et ceci, il est là depuis plusieurs siècles. Je ne même pas rien faire ça. Sauf que, il Bon côté, dirigeants sérieux pour nous gagner, dirigeants qui ont des capacités, dirigeants qui sont honnêtes, pour nous pou pou régler les dossier politique migratoires avec la ville dominicaine, et pour nous gérer, monde qui propres, propre, gens qui sont honnête, pour qui a des capacités, comme diplomate pour nous mettre dans le diplomate, dans le diplomate, sinon. L'OSA, on a une relation pralliée avec les pays voisins. Et le ça tout l'État central dans le pays d'Haïti, a oublié je mettre les conditions pour que de vivre dans le pays, pour suspendre la nuit dominicaine dominicaine. Ce n'est pas possible faut que nous allons sous plusieurs angles. D'accord On An avance. Pasteur Grégory Toussaint. Demain, la fête auprès de la mairie. La mairie m'a dit, deuxième papier pour gagner, parce que la mairie a eu un papier. Magistrat, s'il y a un papier, il pasteur Grégory Toussaint. Magistrat m'a qu'on y a dit que nous avons pour nous. Responsable responsab police, circulation. Il y a eu la circulation. Demain, la fête. Légal, il explique tout le bagaille, il a tout document. Légal, et puis la police répond. C'est deux papiers qui ont été besoin pour machiner possible. Et puis, Pasteur Grégo Toussaint lance ce match-là. Les mêmes qui ont une conférence de presse sous match qui a fait à dominicanien. Côté que, c'est normal. La a en créole, et puis il un dominicain qui a interprété en espagnol. Pour. Média Dominique sont capable de couvrir. Et c'est qu'il y média des médias Dominique qui deviennent dans la conférence de presse qui deviennent couvrir. Ce sont des matchs légaux, propre clean. Eh bien, les médias Dominique, ils prévoient eux même personnellement pour ça seulement dans la capitale Santo Domingo, tu as plus passé 50 000 haïtiens. Ça, c'est d'après les statistiques. D'après les que les médias ont fait, analyse que qu'ils ont yo fait, ils ont dit, marchez pour pou Pipiti. D'après les jeunes, ouais ont euphorie Bon côté.

on ne peut plus mais c'est pas la pige on bail papier et les faits les élus pour une histoire évidente ils disent bah Bali ou bien à force c'est Bali non vous comprenez gouvernement central va quand même aller Bali non pays attendez justement c'est ça qui fait la police bail des papiers et pasteur pasteur Grégory Toussaint bail aux conférences de presse pour communauté islandaise non capable d'attendre et média dominicain capable d'attendre média dominicain qui te fait qu'on fait qu'on est que attendez bien oui hier alors m'parle nous et 10 juillet 2023, Média dominicains, en pile Média dominicains était très critique contre la décision que le gouvernement prend. On l'expliquer. Et il dit qu'il y a un pile Dominicain qui pourrait participer à match match pour accompagner les Haïtiens. C'est bien ce pays Il y a un pile Dominicain qui est préparé pour participer dans match match avec les Haïtiens. Raison. Parce que dans pile Dominicain, ça fait très très mal, le, au, à gade, nan, qui regarde dans quel niveau, il ont tué, qui a violé, il y a fini avec haïtiens en Haïti. Ça fait très très mal. Dans pile Dominique qui qui a cœur sensible et qui haïtien. haïtiens, comme s'il voulait. Ça c'est expérience vécue. On dit nous ça honnêtement. En avance Pas ouais tout pas ouais mouvement eh, pardon. Pas ouais mouvement politique raciste qui a fait pour nous dire que eh, la Dominique n'est pas veut haïti, c'est pas pas ouais ça. Pa, Faites très attention dans ça. On avance. Eh bien, le pasteur Grégory Toussaint fin de la conférence de Presse. Là, sur la Dominicanie, les médias dominicains commencent à commenter le match là. En pile leader politique dominicain. Surtout ceux qui sont racistes, qui ne sont vécu ils commencent à parler. Mais c'est des leaders politiques qui proches gouvernement. Luis Abinadella, ça c'est un. Deuxièmement, c'est une information que nous avons dit tout à l'heure. a de oligarques corrompus que le Canada déjà sanctionné comme nek qui financé gang en Haïti. Vous bien, oui, comme nek qui financé gang en Haïti. Génie qui a acheté des armes avec balles en Dominicanie à l'autre côté gang en Haïti qui fait besoin de balle de la République Dominicaine vers Haïti. Et bien, ça que me dit nous, pasteur Grégory Toussaint a encouragé, ou du moins fait pression, ou du moins parlé avec des autorités américaines qui sont dans le congrès américain comme sénateur, la a demandé, « comment nous as voté pour jouer des lois, ça ?» Pour que le département d'État t'a que qu'effectivement, c'est une décision que le Congrès prend pour exiger de publier non tout le monde qui est impliqué dans financer les gangs en Haïti. Et bon avez vu ça qui passé Il y a des nègres qui sont dans le secteur privé gang nan, Haiti, se de gangs en Haïti qui c'est des du gouvernement actuel en Dominicanie. Si vous ne savez pas, vous ne allez pas comprendre. C'est ça. L'étape faite en Dominicanie, l'étape dérangée, c'est un secteur clé. Qui, c'est secteur oligarque corrompu haïtien, qui déchappe Haïti, qui prend plus passé 1,5 milliard de dollars américains, sorti 2020 pour arriver 2023 qui investit en Dominicani. Dans moins que 3 ans, il investit comme ça en Dominicani. Dans l'immobilier. Nous dire si nous ne comprenons pas comprendre ça. Sorti 2020 pour arriver 2023, oligarque corrompu avec un secteur politique haïtien qui viennent vivre en Dominicanie, qui viennent investir en Dominicanie, ils ont investi plus 1,5 milliard 500 millions de américains dans l'immobilier. Ça veut dire qu'ils ki ça construit building pour faire Airbnb, construit hôtel, hôtels, construit Belle Caille pour louer dans le pays de la Dominicanie. 1,5 milliard 500 millions de dollars américains en Dominicanie. Ce secteur ça, est très proche du gouvernement actuel dominicain. Mâche pasteur le dérangée dérangé en pile. Yo, il Nous parlons le de pasteur Grégory Toussaint. Peu pas ici parce que, hm, y'a un hein, qui e, choisit que dit non toujours. Mais, bon, bah me font un petit réserve. Très intense. Très, 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 très important. E, et, en avance ensemble avec moi. Pasteur Grégory Toussaint. Très important. On a gardé Wendel Théodore qui a pris sur pasteur Grégory Toussaint. Et, il a ça que et m nous allons comprendre réalité parce que le pasteur a dit qu'il est extrêmement important. Nous attendons avec un peu d'intérêt pendant qu'on partagez l'émission, on va, va liker, on va abonner. Et, et... surtout, quoi abonner Très important. Pasteur Grégory Toussaint. On avance là. Grégory Toussaint, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendel, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est au terme d'une... Euh... Période, je dirais, de jeûne de, de 40 jours euh, que vous avez organisé ce mouvement, euh, je dirais, à travers le monde. Mm -hmm. Oui, voilà. Au fait, nous sommes, encore, nous sommes encore dans les 40 jours. Donc, on termine la semaine prochaine, euh, Dieu voulant, donc euh, le week-end qui euh, s'en vient. Donc, on termine. Donc, ça a été fait au cœur des 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on prévoit un autre mouvement, une autre manifestation du même genre au terme réel, pour vous répéter, du jeûne Eh bien, euh, euh, non, pour l'instant. Donc, comme on a dit, euh, donc on a décidé de prendre l'initiative de faire cette marche parce que j'avais reçu ce message. Euh, donc, pendant le jeûne, donc pendant le temps de jeûne, donc la, pre la première semaine. Donc, j'ai reçu euh, ce message vraiment de la part de Dieu. Euh, donc, euh, j'ai consulté euh, tout d'abord mes collaborateurs immédiats. Euh, et puis des collègues euh, n'est- ce pas euh, dans le ministère etc dans notre secteur et à partir de là donc euh, on a décidé de lancer le projet donc euh, donc c'est vraiment un projet qui a été initié par Dieu, Dieu lui-même donc c'est peut-être euh, difficile pour certains de, 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 de comprendre euh, cela mais la bible dit euh, donc euh, la sagesse de Dieu c'est la folie de l'homme. Donc euh, nous, donc euh, nous, nous nous suivons vraiment les directives de Dieu. Mmh. Vous suivez les directives de Dieu. Alors, mmh. si, je, si, si je me fie euh, mmh. au témoignage euh, de plusieurs fidèles, euh, vous aviez déjà l'habitude d'organiser euh, ce, ce jeûne de 40 jours. Et Dieu, Dieu vous a demandé de modifier les choses cette année. Pourquoi oui, exactement. Donc, on, on a l'habitude de faire euh, les Jeunes de 40 jours, donc c'est la neuvième édition euh, cette année, euh, donc, mais c'est la première fois, c'est la toute première fois que j'ai reçu une directive de la part de Dieu d'organiser une marche à l'intérieur des 40 jours. Ça n'a pas été fait, euh, donc, euh, auparavant. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, Donc, en ce sens, c'était quelque chose de, de, de nouveau, hein. Quelque chose de nouveau. Euh, mm. Jusqu'où l'évêque peut parler de réussite? Eh bien voilà, euh, nous dire que vraiment nous pouvons dire vraiment que c'était euh, vraiment une réussite totale. Euh, dans la mesure où les gens sont sortis de partout, de tous les pays dans le monde, et voilà. Donc, euh, écoute, il y avait, il y avait, il y avait des foules euh, donc à Miami, euh, à, à Port-au-Prince, etc., au cap haïtien Mais moi, ce qui m'a touché, je dirais, c'est vraiment deux images m'ont vraiment touché. Euh, la, la, la première, c'était, la première, c'était euh, une femme euh, handicapée, donc euh, paralysée, donc elle n'avait pas de pied mais elle a décidé de faire la marche, donc, euh, donc elle avait des béquilles, mais elle a décidé de faire la marche sur des béquilles, ah, ça, cela m'a interpellé. Euh, la deuxième euh, image qui m'a interpellé, c'était euh, l'image d'une femme en Caroline du Sud, là où elle, elle vivait, elle n'avait personne, elle a décidé de marcher toute seule. Donc euh, voilà euh, pour moi il n'y a pas seulement la foule mais euh, cela nous montre comment il y a une soif hein, d'un changement pour haïti donc je, je pense que c'est ce qui a interpellé les gens euh, donc cette marche a été organisée dans moins euh, dans, à peu près trois semaines hein. donc c'est à peu près trois semaines euh, d'organisation donc cela nous, nous montre comment les gens vraiment ont soif d'un changement réel en haïti. Donc, c'est la question que, que j'allais vous poser. La, la portée euh, du mouvement est à la fois spirituelle et politique Je dirais à la fois spirituelle et civique. Et pourquoi euh, Bon, moi, je ne suis pas dans, euh, dans le domaine politique, ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, en tant que citoyen euh, donc, euh, haïtien, euh, donc je suis euh, vraiment touché par la situation d'Haïti. Et je crois qu'en tant qu'haïtien, j'ai un devoir civique à l'égard de mon pays, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti. Donc je dirais, en ce sens, c'est un, euh, un mouvement spirituel et civique. Mmh. Donc le message est passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de, de petites déceptions ou bien petits pincements au cœur quand on sait que, notre, euh, que vous avez prévu de marcher ou encore d'inviter les gens à marcher dans 68 pays. Or, les autorités dominicaines n'ont pas, pas accepté que cette marche se déroule chez elles. Que, que, quelle est donc votre réaction Ah bon, c'est bien malheureux, comme on a dit. Donc, euh, euh, donc les autorités euh, donc, de la République dominicaine avaient déjà donc autoriser cette marche, la police l'avait déjà autorisé, autorisé. Donc la mairie l'avait déjà autorisé. On avait les papiers et voilà vendredi et on a fait une conférence de presse. Mais il semble que l'attente en République dominicaine, dans la communauté haïtienne, vraiment a euh, donc a mis la le gouvernement le gouvernement dominicain en mode de panique. Euh, donc, euh, mais si vous allez, si vous regardez les médias euh, dominicains, c'est euh, le gouvernement dominicain a été sévèrement critiqué par les Dominicains. Mmh. Donc, euh, donc vous allez euh, suivre. Donc, et en, en ce sens, on pourrait parler d'une réussite en République dominicaine parce que vraiment l'opinion publique vraiment a été partagée et reste encore partagée sur cette marche. Donc il y avait Listing, il y a, il y a, il y a un quotidien qui s'appelle Listing Diario qui était pour. Euh, donc il y avait par contre Oi, euh, donc un autre quotidien qui était euh, non Oi c'était pour du côté des Haïtiens et Listing Diario c'était du côté du gouvernement. Donc et là vraiment il y avait vraiment une déchirure au niveau non seulement des médias de l'opinion publique j'ai reçu pas mal de vidéos ou des personnalités publiques parmi lesquelles euh, euh, donc il y avait une sénatrice euh, il y avait euh, il y avait d'autres personnes qui ont vraiment critiqué euh, le gouvernement. Parce que ils ont dit voilà ça c'est pas c'est pas un signe ce n'est pas cela n'a pas envoyé un très bon signal dans le mmh. monde international en tant que pays démocratique donc mmh. euh, donc, donc en ce sens on pourrait dire c'était c'était quand même une réussite dans la mesure où on, on, on a pu euh, arriver à vraiment déchirer ou encore diviser ou encore partager l'opinion publique et généralement l'opinion publique est, est généralement monolithique. Hein? Euh, l'opinion publique est monolithique en République dominicaine contre les Haïtiens. Donc c'est vraiment un peu euh, pour la première fois que j'ai pu constater moi-même que l'opinion publique est partagée. Donc euh, donc il y a une partie donc soit 50% en notre faveur et 50% en faveur du gouvernement. Donc en ce sens c'était bien. Il n'y a pas euh, il y a pas, pas il y a pas eu un manquement de, de la part de de vos représentants euh, en République dominicaine qui peut-être n'ont pas su euh, euh, démontrer. Euh, le côté civique du mouvement? Euh, non, c'était une décision politique. C'était une décision politique. Euh, donc, et je crois que le gouvernement dominicain, dominicain ne s'attendait pas à, à recevoir autant de critiques de sa propre population. Donc, c'était une décision politique, mais c'était une décision politique mal pensée. À votre avis, Pasteur, vous auriez fait sortir dans les rues combien de gens Bon, mon équipe estime entre 500 000 à 1 million, mais ça dépend. Donc, euh, bon, vraiment, c'est difficile de faire le décompte. Voilà, et plutôt, alors voilà, Pasteur Gogo et Toussaint, et la plus, les plus, les plus que 500 000, parce que 500 000 à travers 67 pays, à Poitiers seulement. Il y a des gens qui parlent de plus de 300 000. Deux à 300 000, d'accord? c'est que, il y a plus, ke plus passe, de passer 2 millions de million haïtiens qui prennent pren la rue oui, à travers le monde. Ou men, di, bon, si vous avez exagérer, vous avez dit que plus passé 1 million de à travers le monde qui prend la rue. Oui. Ok? Si vous avez exagéré, vous e, avez dit plus de 1 million de qui prennent la rue oui à travers le monde. Et c'est très important. Et un un pile de et prend prennent la rue. Oui. Et c'est la tête chargée. Oui et là pour la rue et ici répondre à l'appel et c'est une bagaille que moi-même moi pour l'exiger pasteur Grégory Toussaint en pile en pile bagaille en pile en pile bagaille effectivement parce que il <laughs> euh, euh, y a pile bagaille que m'a demandé il y a pile bagaille que m'a demandé très important on continue entendre pasteur Grégory Toussaint mm -hmm. euh, ouais voilà ouais. euh, C'est ce sont... que lui vous avez ciblé les capitales, quelques-unes des capitales parmi les, les plus importantes, telles que Paris. Euh, on, vous étiez aussi à New York, euh, mm -hmm. euh, à Boston, à, 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 à New Jersey, à Washington. Euh, donc voilà, euh, donc Philadelphie. Euh, donc il y avait Ottawa, Montréal. Euh, donc vraiment, euh, dans plusieurs grandes capitales euh, dans le monde. Mais je, re, je, suis, enfin, je suis en train de, de regarder quelques images. Euh, là, euh, c'est des images de Port-au-Prince. Et mm -hmm. là, Pasteur, euh, j'imagine qu'on est à plusieurs dizaines de milliers euh, seulement mm -hmm. euh, sur Port-au-Prince. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, euh, ouais, exactement. Donc il y avait le Cap-Haïtien également, il y avait Gonaïve. Euh, donc, euh, donc à Gonaïve, bon, bon c'était un peu partout. À hein, Jacmel, Hesh, donc euh, Léogane on a reçu toutes les images. Donc euh, Nord-Ouest, euh, donc Bassin-Bleu, j'ai vu. Donc, euh, donc ils étaient un peu partout. Et même à l'intérieur de Port-au-Prince, vous avez, donc à Carrefour, ils avaient leur propre marche. Bon, Repos, ils avaient leur propre marche. Euh, donc, euh, donc, et ce que vous regardez ici, mmh. au champ de Mars selon euh, Donc, c'est seulement une partie de la population parce qu'on avait trois... Euh, donc, c'était trois branches. Hein? Donc, mmh. vous regardez euh, euh, l'une des branches ici. Je, euh, ne donc, v, je, je ne veux pas vous demander, euh, 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 Monseigneur, de, 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 de révéler euh, vos stratégies, vos mmh. plans non plus, mais... -ce que, comment vous avez réussi euh, C'est vrai, euh, si ce n'est pas le cas, vous me le direz. C'est vrai mm -hmm. que j'ai appris que vous seriez à la tête de plus d'une trentaine d'églises. Oui, au fait, on est à 47 églises. 47. Euh, oui, ouais, on est à 47 églises, donc à travers le monde, euh, définitivement les églises. Euh, donc euh, la, la présence, le fait qu'on a qu'on avait déjà une présence dans ces grandes, dans ces grands capitales à travers nos églises. Donc, cela nous a aidé Donc, voilà pour, on va prendre une décision, bon, presque à la dernière minute. C'est généralement quelque chose de cette envergure prendrait des mois pour ne pas même dire pour ne pas même dire des années. Euh, donc euh, mais le fait qu'on a euh, qu'on qu'on euh, le fait que nous avons des églises dans les différentes capitales du monde, donc nous avons des gens, donc cela nous a aidé. Donc je dirais euh, donc c'était euh, la première des choses. Donc premièrement la grâce de Dieu elle-même, donc je je pense que c'est important, euh, le fait que euh, on, on a reçu l'initiative de part de Dieu. Donc on ne veut, on ne veut pas pas si mais l'élément surnaturel donc il y a la grâce de Dieu deuxièmement euh, la présence euh, donc euh, de nos églises dans, dans dans ces grandes capitales et, et troisièmement euh, l'assistance des pasteurs vraiment là euh, les pasteurs sont vraiment je dirais surpris donc il y a 933 euh, pasteurs euh, du secteur euh, euh, du secteur vraiment à supporter ce mouvement donc euh, 750 euh, organisations de la société civile a participé donc vraiment mm -hmm. c'était une grande euh, c'était c'était vraiment une euh, je dirais pas une grande démonstration mais c'est ça a été fait dans l'unité donc je mm -hmm. pense que c'est une démonstration de l'unité et ça nous nous fait comprendre la puissance de l'unité comment on peut faire de grandes choses en très peu de temps lorsqu'on euh, lorsqu'on s'unit donc c'est un mmh. peu ça ce qu'on a vu hier. Très bien. 47 églises, 67 pays, plus de 700 organisations. Mmh. Et le, le, le titre, je dirais, de ce mouvement, c'est « Souffle pour Haïti mmh. ». Euh, en quoi cela peut être utile, pasteur, ce qui s'est passé hier En quoi cela peut être utile comme, comme... J'ai souvent dit, euh, 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 je l'ai mentionné plusieurs fois, que une marche en réalité, en elle-même, bon, je veux pas dire n'accomplit rien, parce que cela, cela donne un sentiment d'accompagnement, un, un sentiment de collectivité, de mutualité, qu'on n'est pas tout seul, on ne se sent pas tout seul dans son combat. Donc ça c'est important, le fait qu'on qu qu se sent voilà peut-être je suis à la maison je peux pas manger euh, donc euh, donc la sécurité le problème d'insécurité en Haïti donc ça me porte à la tête donc, euh, donc 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 il y a ça donc parfois on souffre on souffre tout seul donc quand on sort ensemble donc il y a ce sentiment que je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui sont en train de vivre euh, la même situation, il y a des gens qui me comprennent, donc il y a cet aspect. Mais sur le plan stratégique, je dirais le une marche en réalité ce qu'est c'est une marche, c'est une c'est un levier de négociation. Donc cela veut dire donc le le grand travail vraiment se fait euh, après la ah, c'est après la marche donc maintenant, on peut se rencontrer avec des leaders, les grands décideurs, euh, donc je dirais politiques, euh, à travers le monde, et leur dire voilà, vous avez vu la marche, vous avez vu les photos. Donc ça, ça donc quand moi, je pars, donc je suis en contact avec des, des sénateurs un peu partout, euh, donc aux États-Unis, je suis en contact avec le gouvernement américain et d'autres gouvernements. Donc quand euh, je, quand je vais leur parler plus tard pour leur dire, écoutez, euh, c'est important de prêter attention au cris des Haïtiens, donc leur montrer ces photos, ces vidéos, donc ça aide dans la négociation, donc pour dire que voilà ce n'est pas juste le cri d'un pasteur ou d'un pasteur avec son église mais il y a toute une population qui s'identifie euh, donc à ce message et cela aide c'est un petit peu comme Martin Luther King quand il a fait sa marche euh, en, en août 1863 1963 pardon euh, donc euh, donc il a fait la grande marche il a donné son discours à have a dream mm -hmm. et juste après donc il a eu une rencontre avec Kennedy pour lui dire donc vous êtes obligé de, euh, donc il faut que euh, donc il s'est rencontré non seulement avec Kennedy mais également avec euh, le Congrès américain pour le dire donc il faut accorder aux Noirs le droit de vote aux États-Unis donc c'est ce qu'il a fait après la marche a servi à de levier en réalité pour pouvoir négocier donc le droit euh, euh, de vote des noirs aux États-Unis. C'est un petit peu, euh, mm -hmm. tout au moins ma, ma logique. J'ai envie de comprendre, euh, Pasteur. Et là, vous, vous avez parlé tantôt de l'unité, mm -hmm. et là encore, euh, je crois avoir compris, euh, Pasteur, l'unité entre les Haïtiens en Haïti, parce que hier, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu euh, les gens dans les rues. C'était un pile en pile monde et dans tout. et ma pour mes amis. Hey, imagine si tout le monde est là tout dit ben font coup tête village de Dieu, ben font tu passer ou Iso. tout ça ou là, tout a dit, on fou coup de tête dans le village de Dieu, on fou tu passer Iso, on fait tu passer ou Pli, comme si on tu passe André Michel, et Ner on tu Ariel, et nous de la paix. Comme si, là, monsieur, nous sommes On est comme nous voulons ministre, nous et ce qui s'est passé dans diverses capitales, diverses grandes capitales euh, euh, du monde, aux États-Unis euh, notamment, je viens encore là de regarder les, euh, les images, vous pensez que euh, cette démonstration de force découlant de l'unité des Haïtiens un peu partout à travers le monde, cette démonstration, disais-je, vous pensez, pourrait en quelque sorte influencer les décideurs haïtiens Parce que quand même, ce sont, ce sont eux qui, euh, qui dirigent et qui sont à la barre. Vous pensez que euh, finalement, on peut utiliser cette démonstration pour changer euh, l'ordre des choses en Haïti Oui, ça devrait, ça devrait. Euh, donc influencer les décideurs en Haïti parce que voilà quand on est là, le, 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 donc on, les décideurs en réalité sont, nous sommes en, aux États-Unis, nous utilisons nous utilisons l'expression public servant. Donc nous sommes là pour servir le public, nous sommes là pour servir le peuple. La souveraineté en réalité réside finalement euh, 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 donc euh, réside dans les mains du peuple, n'est-ce pas? la c'est la souveraineté, c'est ça. Donc donc si le peuple comme on dit souvent en Haïti, donc si le peuple souverain a exprimé sa volonté, c'est 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 la responsabilité des leaders politiques de prêter attention à ce que disent les gens, à ce que disent la population, à ce que disent les gens qu'ils servent. Donc cela devrait interpeller les euh, décideurs politiques en Haïti. Et, et, et également à l'extérieur d'Haïti. Sauf pour Haïti, là, c'est un pays, selon vous, euh, euh, c'est un pays qui est, est en, qui, qui en passe d'être asphyxié, qui a besoin de respirer. C'est tout comme euh, le cri de ce noir qu'on qu était en train de. de, Mais, de, de George tuer, Floyd. George mmh. Floyd, qu'on qu qu était en train d'asphyxier, que le blanc mmh. était en train mmh. d'asphyxier. Ce message-là ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes. Ce mmh. message, sauf pour Haïti, euh, si vous avez pris la décision d'organiser ces marches à New York, au Canada, en France et autres, c'est que il y a aussi un message que vous attendiez faire passer, euh, que, vous a, que vous avez souhaité euh, retentir, je dirais, dans les oreilles des, des, des autorités du monde. Oui, euh, euh, certainement, certainement. Donc le message aux autorités euh, euh, du monde, et particulièrement à la communauté internationale, c'est que, que euh, nous autres qui vivons en diaspora, euh, nous sommes concernés par la situation d'Haïti. Euh, donc euh, et nous sommes conscients de notre force particulièrement aux États-Unis. Donc euh, bon, je pourrais vous donner euh, quelques chiffres. Par exemple, nous autres nous avons quand même euh, donc un ministère de médias, euh, Radio Télé chez Kina. Donc quand nous par exemple, nous autres quand nous faisons nos 40 jours de jeûne, euh, donc, on n'a pas toutes les données pour cette année parce qu'on n'a pas encore terminé les 40 jours de jeûne pour l'année 2023, mais disons par exemple l'année 2022. Quand on a fait les 40 jours de jeûne, euh, donc il y avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient suivi à travers le monde entier. Donc, euh, j'ai pas dit 5 millions de vues, hein. j'ai dit 5 millions de personnes. Donc, cela veut dire cela s'identifie par des adresses e-mail uniques donc sur, sur YouTube. Donc, c'est ce qu'on appelle visiteur unique, n'est-ce pas Donc, on a, il y a eu à peu près 5 millions de personnes à travers le monde qui avaient suivi les 40 jours de jeûne. Parmi ces 5 millions de personnes, il y en avait 2 millions qui étaient aux États-Unis. 2 millions qui étaient, euh, étaient aux États-Unis. Maintenant, selon le gouvernement américain, 61% des Haïtiens qui vivent aux États-Unis sont naturalisés ou encore sont américains. Donc, 61% sont naturalisés. Et pour nous autres, dans la grande famille Shekina, nous avons fait notre sondage également et nous avons trouvé 70%. La raison, c'est parce que, bon, voilà, nous avons un ministère qui est quand même, qui attire les jeunes, qui attire beaucoup de jeunes. Et beaucoup d'entre eux sont nés aux États-Unis ou bien ont grandi aux États-Unis. Donc, on a compris que c'est un peu plus élevé. Donc, si vous regardez, donc on parle de 70%. Donc, je pars seulement pour le ministère Shekina. Hein. Mm -hmm. Donc, dans le ministère Shekina, on parle de 2 millions de personnes qui suivent aux États-Unis. 2 millions d'Haïtiens, OK, Haïtiens américains qui suivent aux États-Unis. Et 70% d'entre eux donc peuvent voter. Donc, 2 millions d'Haïtiens, 70% d'entre eux peuvent voter. Cela veut dire, on, cela veut dire que nous, nous avons au moins seulement euh, 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 les gens qui sont connectés au ministère Chekina. Nous, nous regardons ici 1,4 million Haïtiens qui peuvent élever leur voix, qui peuvent utiliser leur puissance de vote dans une élection. Donc voilà, il faut euh, dans les élections... Et Pasteur Gregor, peut-être que par rapport à la position Ligue pas qu'à exprimer la position politique, mais effectivement, il connaît le gros poids dans la balance politique, et c'est ça que l'a expliqué là quelque part, que je voulais nous comprendre. Ça veut dire que sur le plan politique aux États-Unis d'Amérique, ça qu que l'église Shekina représente un gros poids dans la balance politique américaine. Parce que l'Igénie et plus que 2 millions haïtiens et suivent l'église Shekina. Il y a plus passé. Il y a bien environ 60% là yo qui sont à l'âge de voter, qui capable capables de voter, c'est des citoyens haïsano-américains, okay? qui sont capables de voter, ça veut dire que l'Eljo, 2 millions, 60%, 60 de 2 millions, ça c'est 1,4 million de Haïtiens américains qui sont capables de voter dans la politique états-unienne. Ça veut dire un peu le bagage. Ça veut dire le bagaille. Un président américain a élu à 74 millions. Et 76 millions voix. Mais là, la communauté n'est pas capable de contribuer à hauteur de 1,4 million. sont gros bagage, oui. sont des gros cause qui lié. Ça veut dire que la bataille que pasteur Gogo c'est extrêmement intelligent. Et ça fait que Les avez dit que vous dit que vous avez que vous avez fait vous avez pense que vous avez dit vous candidat de vous citoyens, ou pas de vol ou seul candidat, c'est volant de candidats. Comme c'est volant seulement deux candidats, c'est criminel, c'est assassin seulement deux candidats. Parce que depuis vous, vous candidats, ou vous êtes pas bon, même. Vous êtes bien, oui. Vous êtes même candidat toute la semaine, oui. Mais vous même comme citoyen le jour où vous êtes levé de retour, où du le <outfit> puis, tout. Vous êtes toujours candidats, pour vous poste vous êtes vous êtes candidats, oui. Vous êtes Vous êtes toujours un candidat êtes toujours candidats. Vous êtes toujours candidats. Vous êtes toujours candidats. Vous êtes Vous êtes C'est Vous êtes Vous êtes Vous êtes JAPO fait très attention, pas inquiet trop, pas peur, pas peur, n'ai pas peur, parce qu'il avait ça voilà longtemps. Et c'est si avec ça qui jappe et j'ouvre des mois jusqu'à ce qu'il y a le tour le physiquement. Pas peur, pas jamais quitter ça quoi faire pour payer ya parce que il a des trois gars avec qui jappe parce que ou indexé au lieu d'être comparé les deux et et, et sanctions. pour mettre liste n'est que sanctionné. Mais les liste non au public. Solon fait ça, l'on parlait de ça. Moi j'ai conseillé que secteur clé qui casait c'est à quoi frapper. Et même du pas ban politique, mais son gros coup politique est lié. Et on avance, l'élection, va donc, il faut utiliser cette puissance. Donc, mm -hmm. on a voulu quand même euh, faire retentir ce message aux oreilles des autorités américaines pour leur dire que nous autres haïtiens aux États-Unis, mm -hmm. nous sommes capables de décider une élection présidentielle aux États-Unis. Si vous vous rappelez la dernière fois qu'il y avait la contestation entre George Bush et Al Gore. Donc euh, les décisions étaient dé les décisions, la, la, les élections ont été décidées par seulement 500 000 voix populaires. Mmh. Al Gore a rapporté les votes populaires, euh, 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 donc a eu euh, 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 le gain de, de je dirais euh, de, de de la vote populaire simplement avec 500 000 voix. Donc mm -hmm. cela veut dire si nous autres seulement dans le ministère Chekina, je ne parle pas maintenant de, de toute la grande communauté haïtienne à travers les États-Unis. Donc cela veut dire si on regarde la grande communauté, c'est nous sommes capables de faire basculer vraiment une élection américaine, une élection présidentielle aux États-Unis. Et ça, c'est mm -hmm. important. C'est important. Donc qu'ils le sachent. Donc mm -hmm. avec cette puissance, on peut leur dire écoutez, vous allez devoir mieux. Traiter et mieux agir envers Haïti. Donc, on peut utiliser cela. OK. Maintenant, euh, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vu une marche en France. Oui. Well. À, à supposer que, que le président français euh, regarde ce qui se passe chez lui à travers les rues, mm. il pourrait par exemple lire Sauf pour Haïti et se demander Mais what, en, en fait, qu'est-ce qu'ils -ce qu qu -ce qu veulent, ces Haïtiens Sauf pour Haïti, well. ça veut dire quoi euh, mm -hmm. plus, plus près de nous, aux États-Unis, euh, l'Américain peut se dire Mais ils sont dans les rues. Oui, souffre Haïti. What they want exactly mm -hmm. euh, Why souffre Haïti What does that mean et, si, ouais. et, et et si par exemple on vous demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement, par ordre de priorité, vous diriez quoi Ils veulent de la sécurité. Mm -hmm. Ils veulent que les Blancs cessent de, euh, de s'immiscer dans les affaires haïtiennes? Est-ce que c'est vrai qu'ils veulent que euh, nous cessions de nous mêler de leurs affaires? Est-ce que vous avez réfléchi à une réponse qu'on pourrait vous poser euh, le cas échéant? Oui, et, euh, oui. Euh, donc, euh, Sauf pour Haïti, c'était euh, en réalité le thème euh, global. Ou encore ça c'est l'aspect marketing des choses n'est-ce pas euh, c'est là ou encore l'aspect communication des choses pour que euh, donc le public puisse s'identifier au mouvement mais on a eu des on a des objectifs précis qu'on a communiqués aux autorités donc nous avions euh, quatre euh, nous avons quatre objectifs précis, numéro un c'est que cette marche, c'était d'abord pour assumer notre responsabilité en tant que gens ordinaires. Maintenant, ça c'est important. Généralement, quand, quand on fait une marche, c'est pour vraiment mettre de la pression euh, donc sur les autres. Donc, en ce sens, cette marche était différente pour dire que voilà, euh, nous, avant de mettre la pression sur les autres, nous aimerions mettre de la pression sur nous-mêmes pour dire que nous autres. Haïtiens ordinaires, hommes ordinaires, citoyens ordinaires, nous voulons assumer notre responsabilité à l'égard de notre pays. Euh, donc, donc, et ça c'est important parce que on sait que donc il y a les grands changements, les grands changements de la société se font quand les gens ordinaires assument leurs responsabilités. Mmh. Vous regardez, par exemple, je veux dire, bon, on commence par exemple sur le plan spirituel. Jésus-Christ a commencé avec des pêcheurs de poissons. La révolution a, 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 a française a été faite par des gens de classe moyenne et de basse classe, n'est-ce pas La révolution euh, américaine, de la même manière, c'était des commerçants, etc., des cultivateurs, donc qui ont fait la révolution euh, haïtienne, euh, euh, pa pa pardon, américaine. américaine. On regarde aux États-Unis, le grand mouvement civique, n'est-ce pas, qui a pu accorder aux noirs. Le droit de vote après plus de 300 ans d'oppression aux États-Unis, mais ce mouvement a commencé par une couturière, donc une femme qui s'appelait Rosa Parks qui a refusé de laisser sa place, de céder sa place à un blanc, donc euh, etc etc. En Haïti, euh, la révolution haïtienne a commencé avec des esclaves, n'est-ce pas euh, Donc euh, donc 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 en réalité, les grands changements de la société se font. Quand les gens ordinaires se lèvent. Oui, mais, Et si, on, si, on, plus mais plus si on vous demande, pasteur, si on vous dit, si on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez oui, euh, Ils sont dans les. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent Ah, qu'est-ce qu'ils. veulent non. Alors, comme, comme je disais, la, la première chose c'était ça, c'était éveiller cette conscience en nous. Maintenant, en ce qui a trait au gouvernement, c'était deux choses hein, pour nous autres, n'est-ce pas, aux États-Unis Et on avait de différents messages. La stratégie qu'on a utilisée hier, c'est qu'on a compris qu'on était. En train de cibler de, diffé de, diff de différentes capitales, et de différents pays, différents gouvernements, ce qui est valable aux États-Unis n'est pas nécessairement valable au Canada ou valable en France. Donc mm -hmm. voilà ce qu'on ce qu a fait. Par exemple, aux États-Unis, vous allez remarquer qu'on avait euh, donc une banderole qui disait, euh, qui disait pass the bill. Pass the bill S396. OK? Maintenant, ça, c'est un projet de loi qu'on a maintenant au Congrès américain. Donc, qui demande trois choses. As des Numéro boulot. un. Tandis ça que je là, avec un pile, un pile intérêt. Et c'est là des besoins suis Et c'est ça, oui. Pasteur Grégory Toussaint a PC soulevé. soulever. C'est des ça. Les supporter. Bon côté congrès américain. Et mais justement, qui va remplir le problème. Dans secteur politique là, ou du moins le secteur, secteur gang. Dans le pays entendu. Donc euh, numéro un, donc euh, que le que la communauté de renseignement des États-Unis mette à la, à la disposition du public les informations donc il, euh, les informations que eux ils possèdent sur les gens qui financent les gangs en Haïti. Et bah, voilà. Hum, ça, ça c'est particulier, les li déranger et c'est -même, en avancé, on peut mettre nous, on peut mettre nous des de et puis on, 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 on pu tourner par la suite. Ok, et qui les supportent. Donc, ça, c'est la première chose que demande cette, euh, ce projet de loi. Deuxièmement, euh, donc, euh, euh, ce projet de loi demande qu'on qu annule leur visa. Et troisièmement, s'ils ont des biens aux États-Unis, eh bien, qu'on congèle leurs biens aux États-Unis. On pourrait donc, vous dire qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé. On a déjà commencé, mais je crois que les États-Unis pe peuvent être plus précis par rapport à cela. Donc, mm. des noms sont sortis, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup d'explications par rapport à cela. Exactly. Donc, cette loi demande un peu plus de transparence des États-Unis euh, 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 par, euh, 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 par rapport à la situation d'enlèvement des sécurités en Haïti et d'être plus direct. C'est une qui va en pile problème.

Candidat pour le sénat c'est un candidat pour le président. C'est un de candidat Haïti. Et ça a été pour le fini. Ça a été pour le fini, bon méchant. Et bien justement, des démarche pasteur Pastor Grigori Toussaint, elle n'est pas de démarche. Et ce sont des démarches qui gagnent en un pile de pil bagaille, Et que nous-mêmes, un pile haïtien, pas alors pas prêtant temps pour y faire une recherche ou du moins, pas vraiment analyser avant que yo yo une intervention c'est vous et Mais sauf que ça que m'a dit, m'a dit que Grégory Toussaint, Dimanche, monsieur, il n'y a pas, il n'y a pas de Dimanche. Il va n'importe pas de Dimanche. Ils sont des matchs qui ne vont que sauter avec un secteur. Ok Vous voulez nous comprenions ça On avance là maintenant. Ah, c'est pour les États-Unis. D'accord. On va observer euh, une pause et on revient tout de suite après pour d'autres ouais. questions. Évidemment. Nous... Très bien. et Grégory Toussaint, on avance là maintenant. Voilà. C'est ça. 1968, tu euh, rencontré euh, président Kennedy, tu es présenté euh, euh, devant le Congrès américain pour dire, il faut que tu entendes euh, Noir, il faut que euh, Noir le droit de voter tant tout le monde. Et là, nous-mêmes, nous même posé nos questions à qui ça, par exemple marche, sa grande mobilisation sa prale le euh, Pasteur Grégory Toussaint, maintenant, il y a un peu de monde qui attend suivi suivre. Et je crois que c'est justement la première question que je vais poser. Quelle sera la prochaine étape, Pasteur Grégory Toussaint Et bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Eh, merci Wendel. Ah, juste avant juste avant que me répondent à partir de ça euh, nous, euh, nous voulons mentionner tout donc euh, encore rappeler tu a plus de 900, pas, 900 pasteurs à travers le monde qui te tête ensemble pour faire marche ça, à tout euh, donc cela veut dire c'est c'est vrai c'est une initiative de ma part et nos équipes qui travaillent nous galéter euh, nous et les églises sur le terrain mais il y a plus de 900 pasteurs donc qui tête ensemble euh, donc nous voulons saluer et forer, et remercier pour ça Um, mm -hmm. Maintenant, par rapport à suivi, um, um, que nous disons, qui s'est suivi ailleurs. Donc, comme nous, comme nous t'ai dit, ça, c'est un mouvement d'abord spirituel mm -hmm. et après euh, les civiques. Donc, ça a différent de tout l'autre mouvement. Donc, tout l'autre mouvement, c'est simplement, euh, bon, nous font plein et nous avançons, avancer. Mais mouvement, ça allait même lui, commencer par une inspiration de la part de Dieu. C'était le euh, 9. C'était le, euh, le 6 juin, précisément. C'est l'heure ça voit une parole de la part de Dieu pour organiser une marche, précisément. Donc cela veut dire que nous connaissons que le mouvement ayant suivi, l'APG suivi. Parce que bon Dieu c'est Alpha et Omega, ça veut dire depuis le commencement, la fin, c'est le commencement et la fin. Mais qui exactement prochaine étape C'est premièrement dans la prière. Vous nous déterminez ça. Nous devrions être, nous allons être à l'écoute de Dieu premièrement. Et, à, à l'écoute, n't'ai qu'à dire, des gens. Donc, nous, parlons à l'écoute de Dieu, et puis, à l'écoute de l'autre monde. Donc, mm -hmm. euh, pour nous avancer avec la prochaine étape-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, évidemment, il y a des idées, mais l'important, c'est que nous suivons, euh, 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 la voix de Dieu. Euh, et généralement, quand c'est la voix de Dieu, tout, quand c'est la voix de Dieu, tout, l'y confirmer avec un pile monde. Donc, cela veut dire, quand j'ai reçu cette révélation de faire cette marche, Osito ke m lan sel, tout moun wè, ouais, wala, voilà, euh, tout moun sati, se normal, e li oblije fèt kon sa. Gon konfirmasyon dan le kèr den jan, ebyen eh ki fèl vin fèt imediatman. Donc, c'est, même, j'en ai commencé à, c'est qu'on nous, nous voulons continuer. Donc, nous-mêmes, nous demandons nous tout le monde pour y aurait été en contact avec nous, nous gagnons une page, site une web que nous créons Haiti.com, nous gagnons sur les réseaux sociaux, aussitôt que nous gagnons parole de la part de Dieu, qui est confirmée par des, non seulement d'autres collaborateurs, d'autres personnes que nous gagnons autour de nous, n'a pas nous dit qu'on ça, n'a avancé pour une prochaine étape. Mm. M ouais que veux insister euh, que c'est une initiative civique. Est-ce que mm -hmm. l'on dit initiative civique, on exclut que tu as gagné, par exemple, une finalité politique tout dans ce que fait les exclut. Donc, cela veut dire son initiative civique et c'est ce que fait. dit que c'est civique. Donc, hier, par exemple, on parlait de vote. ke yo bezwen, ke um, Haitien an Haiti bezwen vote, san yo pa van vote yo, Haitien an eksteryor bezwen vote, epi yo bezwen vote, ebyen eh alye ki nan etere Haiti. Meton. Et, e, mensak e mwen mabdito, Haitien ki an etreanje bezwen vote, yo bezwen vote alye ki nan etere Haiti. Son gro parol. Son parol politik ke liye, pasteur. E, son parol politik, Et il va de parole. Même vouloir ajouter tout, Haïtiens qui à l'extérieur veulent voter, ils veulent voter dans le pays, ils veulent venir candidat dans le pays. Yow. Parce qu'il est temps ça. Et c'est pour ça qu'on a commencé à tout. Et nous, c'est des choses parce toujours pense, pense, penser que les gens ont pris des décisions sérieuses, ils ont toujours pensé qu'ils n'ont rien pensé. Et que c'est comme si on n'avons pas le droit au de venir pour notre candidat. Ils doivent être chargés. En avance. En général, on parle de vote. Il gens qui automatiquement interprètent euh, politiquement. Euh, mais mais, n'est pas obligé, ça. Euh, donc, cela veut dire, qu'ils vote également, politicien euh, politiciens, parler de lui, mais, mais c'est responsabilité de tout citoyen dans un pays pour y intéresser à vote. Donc, par exemple, moi-même, donc, peut-être, capable de choquer quelqu'un que me parler de vote hier, yeah, tandis qu'on a parlé d'un mouvement, euh, d'abord spirituel et puis civique, nous parler de vote, mais, monde qui sont habitué à VEM, qui connaît dans Miami, il plus que 15 ans que m'a prêché sous responsabilité chrétienne pour y voter. Depuis qu'il y aux États-Unis, nous fait maillot, qui, pour vote, nous louer bus pour nous voter, me prêcher sous vote, et m'appelle fait depuis 15 ans. Donc, cela veut dire, c'est quelque chose que me fait déjà, et m'a pas fait, moi-même, moi pas fait pour une finalité politique, soit pour moi-même, ou bien pour l'autre monde que m'a supporter, Mais l'homme fait aux États-Unis parce que me trouvais que c'est un devoir citoyen de le faire. Mmh. Mais Donc. comment, par exemple, dans la prochaine élection, eh, mouvement fait, il y a capable d'utiliser comme instrument, ou bien comme outil, comme outil, par exemple, qui j'en non, je ne pas quoi elle supposait utiliser comme outil ni instrument. Donc, elle n'a finalité ça, elle n'a pas supposé fait comme ça. Elle supposait un mouvement civique, J'en le fait hier, elle supposé un mouvement civique maintenant. Elle n'a pas aidé, l'IPAB, finalité politique, mais elle n'a finalité civique. En d'autres termes, elle n'a pas supporté un parti politique ou bien un monobiographe, etc. Mais l'a a encouragé tout haïtien pour voter. Ça, c'est civique. Ok. Euh, Pasteur, que, le nous garder étendu mouvement, le nous garder euh, chars dans la rue, et tout le monde en blanc, ça veut dire que tu as un bel budget pour ça. On ne pas parler de lit. Voilà. Ah, ouais, oui, oui, nous ne mm va -hmm. pas parler de lit. C'est euh, un budget assez cadeau, comme, comme j'avais dit publiquement. Premièrement, euh, un, un, un financement sorti de la part de nous-mêmes. Euh, donc, nous financer entièrement euh, de notre part. Euh, deuxièmement, euh, comme nous, moi, dit en public, c'est un cadeau de la grande famille Shekina à la nation haïtienne. Donc, budget ça, c'est vraiment la grande famille Shekina. Donc, euh, cela veut dire Moun Tabernacle de gloire, différentes églises que m'a dirigé, 47 églises que m'a dirigé, plus euh, Moun qui suivent nous sur nos médias. Nourrir la grande famille chez c'est vraiment eux-mêmes, nous euh, sommes capables de dire que euh, euh, budget, c'est vraiment eux-mêmes euh, qui permettent euh, ces contributions, yo, qui permettent y ont un type de bagages qu'on parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, euh, 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 nous, nous, nous chrétiens qui croient que nous devons gagner un impact sur le pays. Mm -hmm. Donc, ça veut dire mais, euh, pas n'y a pas de financement externe de l'autre côté, l'autre source Absolument euh, non. Absolument, absolument non. non. Mais Donc, la, entièrement, la... 100% financé par nous-mêmes. Combien on s'est dépensé, Pasteur? Euh, bon, jusqu'à présent, l'équipe était bon à peu près 1 million de dollars. Le yo, bon budget était hein? bon à peu près 1 million de dollars. Nous sommes capables euh, de penser autour de ça. je ne sommes pas capables moins, mais probablement autour de ça. Parce que rien que soit regarder ma yo-yo, euh, qui fait, euh, donc ou seulement ayon yo ou apgadeo, euh, bon, plus tard, vous avez venu faire maillot, on nous dit 200 000 maillots par exemple, euh, ou seulement multiplié par 3 dollars, 3 dollars 50. Alors, il varie de différents côtés. Donc, il euh, y a un côté là, 2 dollars, il y côté là, 4 dollars, dépend du côté où dans le monde, mais vous mettez là ça seulement déjà, ouais, qui côté plus son, char, etc., communication, etc., policiers, par exemple, dans toutes les villes des États-Unis, côté nos marchés, hein. Vous euh, connaissez ça, si une fonction qui que donc vous payez la police pour ça. Mmh. Euh, euh, donc, cela... donc, normalement, vous êtes capable de dire que ça comme la vraie. Parce que si a parlé de grand maillot qui coûte plus de 3 dollars américains, sous de 3 dollars 50, et multiplié par 200 maillots, ça va être plus de 600 000 dollars américains. D'accord Ça va être plus de 600 000 dollars ou bien 700 000 dollars américains. Et l'autre 300 000 dollars, il y a un pile de bagages qui dépense encore. Et plus d'un de million dollars de américains. Plus d'un de million dollars de américains. C'est ça, oui. Ça coûte un pile. C'est ça ce que m'a dit la population. Là, nous, avons a pour un manifestation 24 sur 24 sur le monde de Moïse. C'est pas du petit compliqué de passer dans le pays, non Pour nous pays là. Il y a, nous, on a un match pacifique fait. Match pacifique pour 4 jours. Et puis ça, pour exprimer, exprimer. Mais Haïti, manifestation violente, c'est l'argent en pile comme. En pile, en pile comme. C'est pas petit qui compliqué. C'est gros l'argent. C'est des gros l'argent. Gros gros l'argent c'est de gros l'argent. On avance, Pasteur gregor Toussaint. C'est un Miami, donc il y a des qui a apportent. Donc probablement un peu plus, un petit peu plus d'un million. OK. Et chez c'est un réseau de radio aussi. Et l'autre, ça m'a un peu moins évoqué. Gonpaquet Haïtien qui a dit, Pasteur gregor Toussaint je 1 un million de dollars pour le faire marche Pendant que l'hôpital général, pas de 10, pas de 10 Pasteur Gregor-Toussain, président d'Haïti, bon salope, salope, continuez. Il faut te sentir comme ça. Nou visyon san wot, ban san kout ya. Pou yon pa foute nan wè da volè sa wò, ki nan ten peyi ya. Ki yon pil kop peyen nan men yo. Fè wò koupè lòbita general. Ban san wè kote nou ye. Ban asasen. Epo bon moun fon bagay nou sa ti, kom si, depi, ban jokipi gro problem ki la kay nou kom haisyen. Nou san wot depi kou ba ki, ki fèt, se pa chak, se pa nou men, depi se pa mwen, ki fèl li pa bon. Depi se pa mwen ki fèl, nou dwe krasel. Depi se pa mwen ki fèl, entel pa moun. Même chercher toute qualité bagaille pour nous dire. On sent autre côté nous. Mais les boules lorsqu'on a football l'argent pour craser le pays, pour ne pas dire qu'on a comme ça pour ça pas investir dans le Félix Nabito. Parce que les Haïtiens, ce sont les têtes grenades, sont nègres qui font là. Nous-mêmes, comme les têtes grenades, nous avons footballé. J'appelle, je vicieux, je suis sans couche. Même là, je parle pas ensemble avec nous. Parce que moi ne connais pas les nègres comme Haïtiens. Je ne pas les nègres qui sont vicieux, qui pensent que les Haïtiens ne doivent pas jouer de l'argent pour mettre tête ensemble pour radiser leurs bagailles. Mais si c'est les gars qui peut organiser ça ou pas d'avoir une pièce à la pour commenter parce que c'est comme si Nadou son doigt les gars claguen pour le financer tout ça il s'y a fait bon sans autre côté nous c'est tout c'est qu'on met de, de tête ensemble qui peut organiser ça ou pas ouais le commissaire Muskade a besoin alors Thériel Télus tu es jugé que le commissaire Muskade a besoin de la machine Thériel Thélus lance son message mon Je prends premier message là je parle avec Boustam, je parle avec Foucault, je parle avec Jimmy. Rapide, vite, dans que trois semaines, nous collectons plus de 50 000 dollars américains. Et puis nous faisons river Joanne. Nous responsable responsables. Et puis, je ne fais pas message là. Et puis, il n'y pas de difficulté. Rapide, il y même peut-être plus 50 000 dollars américains. Nous avons 100 000 dollars américains pour machine comme ça, mais actuellement, la machine n'a pas roulé dans le Miragouane. La service communautaire. La PDPI. Qu'on on prêt le dire, oh, oui, pour que ça ne parte pas en l'hôpital, on sent quand il noie. Et eux me visent, c'est qu'après sur Internet là. Ça, moi-même franchement, franchement, amen. C'est un réseau de radio, ouais, euh, d'église et de radio en même temps, euh, radio, radio en même temps. Mm -hmm. euh, et évidemment qu'on est avec Internet, c'est un peu de télévision en même temps. Mm -hmm. mm. Euh, 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 okay. ok. Donc vous dites nous que prochaine étape là ou pas qu'on elle, c'est dans la prière qu'on a déterminé. Oui, 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 oui. oui, oui. Mm. Mm -hmm. E mesaj souf pou Aitiyan, son mesaj ou kwek ki pase, ki fe eko evidaman, euh, men apre souf pou Aitiyan, se pa ki sa? Euh, donk kon euh, nou di, donk euh, nou la, nou genye euh, de rezultat konkre, kon ap bezwen. Kon nou di, akou term, donk akou term, yon nan bagay kon ap vle ki pase, kon nou kape deyel deja. D'ailleurs, avant nous te euh, fait marche, nous t'ai lancé une pétition, euh, n'est-ce pas, euh, qui t'ai gagné plus de 100 000 euh, signataires dans, dans moins d'une semaine, n'est-ce pas C'est comme on t'a dit, c'est pétition qui a poussé loi anti-gang dans le Sénat américain, dans le Sénat, euh, dans le Sénat et Chambre des députés américains. Donc, a un objectif immédiat, nous qu'à dit à court terme, euh, c'est ça, parce que c'est un Congrès américain t'as supposé voter sous lit, moi ça. Euh, donc, il y gagne vacances en août. Mais nous, nous, nous espérons que vous que voté la loi ça, moi ça, ça, ça. Et puis, pour nous commencer, ouais, euh, 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 pour nous commencer ouais, euh, à voir une différence en Haïti en matière en na question, na domaine de la sécurité. Donc, mm -hmm. nous avons objectif. Parce que de ce et quand vous de de et fidèle à l'église qui se formée, ça m'a mis plateforme YouTube, mais il faut être capable de faire ça. Depuis que nous campeons beaucoup, depuis que nous camper d'ailleurs eaux, nous avons fait ça avec eux. Et nous pas nous pas peur ou pas besoin de faire frappe. Ou pas besoin de faire frappe parce que ne pas pour compte. Ou pas besoin de faire frappe parce que ne pas pa pour compte. Pa pa pou D'accord Pasteur Grégory Toussaint, pas peur ça, pas peur ça, garçon, on va continuer. À court terme, c'est ça. Il ne faut pas oublier que l'autre objectif à, à, à court terme, tout, c'est que pendant que nous sommes ici, tout, nous demandons euh, le gouvernement américain pour yo quitter quitter programme humanitaire. Biden, maintenant, ou ouvert, parce que bon mouvement chez les, euh, 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 un, un mouvement chez un, un peu les conservateurs ici pour fermer le fermer programme ça. Et ça nous t dit, c'est que. Haiti gwen kriz humaniter, kote sekreter nationz uniyan te di alpe pre de mwa, donk ke nivou de sekurite an Haiti li similer a yon peyi kan gèr. Se kan kou an Ukraine. Donk dayon tap suiv yon dokumenter sou ABC yon semen dernyan ke yo di, gen plus, si, plus inosant ki mouri an Haiti de janvye avril ke an Ukraine. il y a plus de civils qui mourent en Haïti qu'en Ukraine, de janvier à avril. Donc, cela veut dire une crise humanitaire. Donc, ce n'est pas le moment pour fermer mes, mes portes là. Pendant que l'APC est résolue en Haïti, il est vrai, on travaille sur ça, mais en même temps, pas fermer mes portes là pendant que les peuple a des gens qui ont essayé de fuir pour la vie. Donk, euh, donk, il y ave set aspet, donk nap travaj sou sa yo tou a kou term, i a set loa, anti-gang, e pi il y a demarche ke nap fe pou kou gamsa reti oube. Dan, sa se son les objektif a kou term. Eske nan demarche sa yo nou privwa, e euh, diskute avèk de lobbyiste tou, pou pèmèt ke sa pase euh, nan kongrean? Bon, koun ya uh, nap travaj direktman vek senator yo, Donk sou la videyo dat tabak senato Rick Scott, Rubio, senato Schumer, senato Menendez... etc. Euh, donc on travaille avec euh, des personnes comme ça, on travaille avec certains, on travaille avec des députés, Hakim, de uh, Minority Leader, on travaille avec lui, um, et comme nous dit Senator Schumer, uh, derrière projet à tout, c'est une première monde qui dessine, Rubio derrière projet c'est une première monde qui est tout, Menendez qui est responsable donc Foreign Affairs uh, uh, ou uh, notre sénat qui est responsable uh, 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 question de relations uh, euh, international, etc. Donc les souliers, Donc nous travaillons avec tous les sénateurs euh, sous le dossier ça Mais pas pour y a, pas, les, pas directement avec les lobbyistes, nous travaillons directement avec office euh, bureau sénateur. Je dis là ça qui fait actualité, hein, c'est qu'un pile haïtien attend que, un, que gagne un déploiement de une force pour qu'il vienne en Haïti permettre euh, rétablir la euh, sécurité. Fini avec question euh, gang. Nos Haïtiens non, haïtien ça y eu, qui étaient ensemble avec moi et euh, ou bien qui qui répondent à l'appel, à, à invitation, euh, est-ce que au cas où nous qui sont souhaités ou même est-ce que vous euh, souhaitez déploiement ça les fêtes pour que au même tout pasteur qui a retourné en Haïti euh, l'envelle et mm -hmm. si si et seulement si ce déploiement va résoudre le problème ça quelle est donc la position quelle est donc votre position pasteur par rapport à ça Uh, 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 écoute, Ronel, très, très belle question. Euh, question ça, pour me répondre. Hier, il y une a que me dans le discours, là. Moi, t'ai dit que, moi, t'ai dit que ça, si nous pas, si nous pas de table, là, nous n'avons assiette, là. Donc, il y en a que nous avons souhaité. c'est que la communauté internationale n'a pas fait les mêmes erreurs du passé. Donc, cela veut dire, un pile fois, décision ça, yo, prend à l'extérieur. Donc, cela veut dire, euh, euh, nous gagnons une décision sur aux États-Unis. Mais il y a qui est capable aux États-Unis. Il y a qui est dans l'armée la aux États-Unis. Il y a qui est dans l'armée au Canada, qui de, de haut niveau au Canada. Il en France, il aux États-Unis. Il y a la police, il y a des capacités. Et j'ai dit di en créant là y en Haïti. Donc, le fête, la décision, ça va être fait. L'important pour la communauté internationale, là, relève. Haïtiens ça y qui capable et qui a intérêt intérêt Haïti à, à cœur pour y prendre part de décision. C'est seulement comme ça que capable de gagner succès dans la décision que a Autrement, comme nous dit, y a fait de fausses décisions, ou comprenez même parce que ne pas vraiment la dynamique des choses, ou bien parce que même même pas connecté directement avec elles. Um, ou bien bien quatre fois quelqu'un même qui quand même prend avantage de nous j'aime dire si nous pas table nos assiette là mm -hmm. donc ça nous t'a souhaité dans déploiement ça que yo implique des haïtiens conséquent um, en Haïti et à l'extérieur d'Haïti pendant il y a dans la conception Ok, euh, j'ai mon ami euh, à, 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 Pasteur Kayo, qui a dit une fois, euh, euh, d'ailleurs, qui a, qu a fait ça, dans la conception, nous-mêmes, la communauté haïtienne, nous voulons faire partie de la conception, dans l'exécution et de la supervision. Ça est extrêmement important. Mmh. Okay. Euh, pour nous finir avec deux petites questions, euh, peut-être qui capable euh, susciter d'autres sous-questions, euh, Pasteur. Et mouvement, ça fait, on dit que c'est le secteur protestant qui fait. Le secteur protestant que nous connaissons qui en crise en Haïti avec des pasteurs qui impliquent dans, dans plusieurs, euh, plusieurs bagages louches. Euh, mm -hmm. Par exemple, non pasteur cité dans l'assassinat président. Hallez Hallez Wendel, on va bien parler, les gars. Qu'on <laughs> a touché Qu'on a arrivé sur Wendel Qu'on a arrivé sur Wendel, ma bonne matière. est parti, pas maintenant ça. Pasteur Fonge et Pasteur Giral Bataille. Deux criminels, deux assassins qui ont tout le président PIA, qui sont présidents de Jovenel Moïse, qui sont secteur protestant d'Haïti. Mabdi pasteur, tout pasteur ki reyouni ki te fè kouken chan aktivite sa. Nef jye, nef jye, ki se te pase ya, nap made nou fè. Malo, Ma sa ton not, pou made de pasteur sa yo, pren distans yo. Alo nou pren distans yo, pren distans yo direktman avèk de pasteur koumine sa yo. An avansè, an tade wendèl. Oh, mm, euh, nan pil wakèd wòl euh, nan peyi an, nan afranj sa de l'eglise protestante, ki se te apdi yo mèm? Le bagay ke mabdi, nümero un, On a, a besoin que la justice clarifie ça, um, parce que songer ça, c'est des, euh, des, des accusations. Donc, nous a besoin, besoin clair que la justice fait clair que il y a des preuves. Ça, c'est numéro un. Donc, uh, parce que c'est aussi, comme nous dit moi-même, je suis pasteur. Donc, et est très facile pour moun citer « non, on a n'importe quoi. Donc, il faut, euh, premièrement, n'a besoin songer ça. Donc, pour tout ça, on dit que communauté a, que nation a pas nécessairement quoi, Donc, a priori, à première vue, mais que la justice fait travailler pour établir les preuves. Numéro, un. numéro deux. On nous dit que as une implication réelle. Eh bien, sait yo, yo, impliqué à titre individuel, hein? À titre individuel. Donc, le fait que yo un moun, un pile pasteur, qui a fait des choses qui bizarres, mais ça pas représenté le grand secteur. Donc, on un nous dit à des pasteurs qui impliqués dans le trafic ZAM, qui, euh, des des dossiers insécurité à tout. Mais, va le monde qui sortit hier, et va le pasteur qui, quand derrière un mouvement, montrait, que c'est ce n'est pas la grande majorité, et ça qui passe en Haïti, c'est l'exception à la règle. Donc, si c'est, si c'est cet arrêt, la pour l'exception à la règle, et que Mounsa fait face à la justice de manière individuelle. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur. Je suis content, je suis content pour que nous déguisions pasteur et Grégory Toussaint. Il est important parce que <laughs> les criminels ont fait des crimes, ont dû payer pour lui. Pasteur Claude Lucin. Exode 22, verset, verset 20, très clair. Très clair. Oui. Au monde qui kidnappe les oui. gens, au monde qui viole les filles, oui. au monde qui monde pour revenir. la Bible condamne à la peine de mort. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Mon qui a retiré la peine de mort, les problème dans le pays, c'est mon qui révolté contre la justice. Au pays qui n'a pas de la peine de mort, parce que tout pays qui n'a pas de la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin, il faut que la justice prononce des jugements proportionnels aux crimes commis. Ces crimes ne pas à en justice qui est proportionnelle à lui. Les crimes ne pas suspendus. Au pays qui retire la peine de mort, la Kayli. Son pays qui condamné pour vagabondage dévorel. Il ne peut jamais rien Parce que justice ne peut pas jamais établir dans le pays. J'aurais à tout le monde a parlé de nouvelles constitutions en Haïti. C'est le moment pour la prostitution, ça. Constitution 87, la tête est en suspens. Ou a kidnapper les gens. Exode 22, verset 20, très clair. On monde qui kidnapper les gens. On a qui les filles au monde qui séquestrait le monde pour revenir, la Bible condamne à la peine de mort. Oui. Depuis dans Genèse, nous lisons ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. C'est la dispensation humaine, le gouvernement. le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout quand on veut retirer la peine de mort ou condamner pays ou pour injustice d'étruil. Et si Haïtien, qu'absolument Dieu conscient de la vérité biblique a tout les de lever voix pour dire oui à la peine de mort non, non à l'impunité c'est le moment merci en pile pasteur Claude Lucin c'est le moment pour que nous-mêmes nous mettons fait dans l'émission ça aujourd'hui à et pour l'autre émission parce que nous pas bien temps commenter nous pas bien faire parler sur et des points surtout dans ça qui pour avec le dossier assassinat le président Jovenel Moïse pasteur Gérald Bataille Pasteur Foj, monsieur Rete pays après le Conseil des bagailles de nous. Il plan, a planté son message encore une fois. Bah, juge Walter, ou c'est Voltaire. Encore une fois, nous demandé demandé pour une décision de sagesse, ok, pour que vous déportes des de dossiers. Rennes-femme au service là, Rennes-nation au service là, Juge, Walter, ou c'est Voltaire. C'est tout le monde que a des bagailles là. On ben n'est pas sérieux.